Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir lancer une partie New Game Plus sur Resident Evil 4. Alors c'est très important, quand vous allez terminer votre première partie, donc regardez-moi, elle se trouve ici. Quand vous avez terminé votre nouvelle partie, vous allez retourner dans le lobby principal, donc là où je suis, du jeu. Donc là, très important, quand vous allez cliquer sur Histoire principale, il faut surtout ne pas créer une nouvelle partie. Parce que si vous créez une nouvelle partie, vous allez recommencer en facile, normal, hardcore ou professionnel, mais vous ne garderez pas votre stuff. Donc en fait, pour relancer une partie, il faut impérativement charger la partie que vous avez terminée. Donc il faut charger la nouvelle partie qui est marquée, nouvelle partie plus, vous chargez ça. Et là, vous pouvez choisir le mode. Et quand vous allez recommencer la partie, ben là, vous aurez tout votre stuff que vous aviez quand vous avez terminé votre partie. Donc moi, il faut savoir que j'ai fait l'erreur de recommencer une partie sans charger la nouvelle partie, plus. Parce que je savais pas, en fait, que ça fonctionnait comme ça. J'avais fait ça sur Resident Evil 9, non, 8. Et j'avais recommencé toute une partie, j'avais refait toute l'histoire. Et en fait, j'ai remarqué à la fin, quand j'ai fini la deuxième, deuxième fois le rush de l'histoire, j'ai remarqué que j'étais toujours en partie numéro 1. Là, il est bien marqué partie numéro 1. Donc ça, c'est une nouvelle partie que j'avais relancée en professionnel. Et en fait, j'avais pas chargé la partie. Donc, il faut vraiment charger la nouvelle partie plus. Et quand vous allez sauvegarder, vous allez voir qu'il sera marqué partie numéro 2. Donc là, j'ai relancé une partie en facile. Et là, je suis bien en partie numéro 2. Donc, faites très attention à ce petit détail. Ne vous faites pas avoir. Parce que si vous vous faites avoir comme moi, bah franchement, vous n'allez pas être content parce que vous n'allez pas pouvoir débloquer certains bonus dans les défis, etc. Donc faites attention à ce petit détail.